Yo les potes, j'espère que vous pétez la forme la team Pifou. Moi ça va nickel, on se retrouve pour un 30 minutes challenge en compagnie de 10 abonnés. Leur but, faire une construction dans le thème sombre, un peu apocalyptique, tu vois ce que je veux dire mon pote. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important parce que c'est vous qui allez choisir celui qui va gagner les V-Bucks. Donc voilà, c'est un petit peu important. Abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu si vous voulez une partie 2. Oui, oui, on en fera une avec encore plus de V-Bucks à gagner pour vous. N'oubliez pas de mettre mon code créateur dans la boutique, car chaque soir, à chaque début de nouvelle vidéo, j'offre un objet dans la boutique à l'un de mes soutiens. Allez, en attendant, je vous laisse le mettre. Moi, je vais offrir un skin, on va voir, à l'un de mes soutiens. Ok, je l'ai. Ok, ça part pour une petite égérie. Hop là. Hop là, mon gars. Envoyé. Et il te plaît? Ouais, ouais. Super, oui. Alors. Et bah voilà, tout ça avec le code StanRP dans la boutique. Ouais. 30 minutes challenge avec la team Pifou, c'est parti! Let's go! Préparez-vous là, prenez vos petits trucs. Là, ça va être. Ils ont rien prévu. Hein. Là, je viens de leur donner leur permission à l'instant. C'est-à-dire, ils ont pas eu le temps de se préparer et tout là. Ils ont 30 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, pouce bleu! Ting! La petite sonnerie, c'est terminé les petits. Donc vous êtes prêts? Donc là on a mis un filtre complètement des ténèbres pour qu'on soit plus dans le thème horreur. Donc ils avaient 30 minutes challenge, ils étaient donc une dizaine. On va commencer par Opas posé. Donc bon, c'est un petit fifou posé quoi. On va commencer avec toi mon pote. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Donc il nous a fait un petit château fort. Ok, un petit château. Ok, donc on va rentrer dedans si tu nous permets. Oh là là, le tableau! Ça c'était pas dans le truc, il l'a rajouté, non? Ensuite, donc, il y a un tombeau. Oh, les chiottes! Mais j'ai envie de chier! Comment je fais? Non, mais explique-moi! Mais comment je fais caca, moi? Comment je fais, maintenant? Oui, donc, la petite télé Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Ferme ta gueule, Stan, merci. Ensuite, il a rajouté des petits effets que j'aime beaucoup. Le petit poisson. Voilà, tu vois, c'est les petites chauves-souris en mode Batman, j'aime énormément. Oh, les gargouilles. Oh, les gargouilles. Putain, les petites gargouilles, c'est un peu comme le diable, tu vois. Ça, c'est extrêmement stylé. Est-ce qu'il y a un passage secret? Oui, il a fait un dessous. Oh, les lutins, c'est des pics. Mais attends, mais quoi? Mais, code Stan RP ou les filous vous tuent? Ah ouais, les filous, en gros, c'est les gens qui mettent un L à la place du F. En gros, abonne-toi tout de suite pour devenir un fifou et combattre les filous. En vrai, les lutins sont un peu tombés du ciel, genre c'est drôle. Donc il y a deux voitures, bon, pff, les deux voitures empilées, j'ai pas trop compris. Bon, les commentaires, quelle note on met pour le premier? Alors, petit Certi, tu nous as fait quoi? Donc des fantômes, ok. Ça c'est original, les petits fantômes. Ouais, il y a du level là. Là, il y a du level par rapport à l'autre. Là, il y a clairement du level, rien qu'à l'extérieur. Là, il y a rien à dire. Il a comblé tout ce qui était pété. Donc là, on rentre. Wesh! Ok, donc déjà, t'es accueilli par un. Par un petit épouvantail, très bien. Déjà épouvantable. Note cette blague sur 10, surtout dans les commentaires. Alors attends, on arrive là? Oh, et en fait, t'arrives là, t'ouvres ta petite porte et... Oui, 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 ok. Les épouvantails, ça marche. Alors franchement, je sais qu'il a pas tout fait lui-même, tu vois, il a été préfabriqué. Franchement, pour le moment, franchement, c'est extrêmement beau. Hein. Après, il a ajouté des toiles d'araignée. Oui, je le fais. Il brûle un nounours, mais gros, mais... Mais attends, mais il est complètement malade. Oh là là, il est énervé. Il fait un rituel satanique. Vite, mets un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas faire partie de pas devenir ce nounours. J'aimerais pas être à sa place. Oh là là. Ah ouais, c'est un rituel, d'accord. Ah ouais, le rituel des loups. Ouais, il y a du level, hein. Ah ouais, il y a du level quand même. Je vais sortir d'ici. Je vais voir le dernier étage. Et donc, il y a même un petit grenier. Qui est le créateur de ça? Qui est le créateur de cette bouse? Qui se manifeste? What the fuck? Il a quitté la partie. Enzo Pika 91. Alors, mon petit vivou, qu'est-ce que tu nous as fait en 30 minutes au challenge? Donc, il nous a créé une histoire en mode, faut prendre la torche et tout. Ok. Ok, donc ça, j'aime bien, là. Enzo Pika, il nous fait découvrir bien le truc. Donc là, ok, donc des cubes. Donc, le retour du cube serait bien. Avec... Ok, donc on rentre chez la sorcière, ok. Déjà, on rentre dans quelque chose de pas très ouf. Avec gros patron. Gros patron en or. Ok. Donc là... Ah, il s'est échoué ici, en fait.
Le bus, il s'est écrasé. Oh là là, moi, j'aimerais pas m'écraser ici. Hein. Mets un pouce bleu si toi aussi, tu veux pas, quand tu joues au Fortnite Battle Royale, te retrouver ici, complètement dans le noir. Hein. Je vais commencer par le rez-de-chaussée. What, avec la petite sortie de secours. Wesh. Ah ouais, ok. Ok, ça pète le feu en vrai. Ok, on va remonter. Ok, donc il a ajouté des araignées ici. Ok, donc ça vraiment, ça empeste. Hein. C'est vraiment les soldats de la sorcière. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais je me demande, c'est qui est dans ce... Me dites pas que c'est un vampire qui se réveille la nuit. Mais non. Me dites pas que c'est un vampire qui se réveille la nuit. Mais non, les petits potes. Oh. Le vampire. Ok, je préfère ne pas rester ici, les petits potes. C'est très très lugubre. Allons dans la prochaine salle. Oh! Oh, le screamer! Putain, il a failli me faire peur, ce bâtard. Oh, le screamer! Eh, hey, t'es un gamin. Ok. En vrai, bien vu. Vous me... À la fin de la vidéo, vous me direz celui que vous préférez. Franchement, le petit code SanRP que t'as affiché juste ici, il touche mon petit cœur, là, je t'avoue. On va passer à Zoz. Bon, bah on va explorer son histoire en vrai. Venez, on va explorer son histoire en attendant. Alors, donc il y a des... Ouais, des zombies qui apparaissent par le cube, ok. Ok, donc les petites... ouais, voilà, c'est la base, les petits effets de chauve-souris. Bon, c'est un peu la base. Donc tu vois, c'est un préfabriqué qui l'a refait à sa manière. Dites-moi si vous le kiffez ou pas. Pff, bon, tout ça classique quand même avec les arbres. Bon, c'est un préfabriqué, quoi. Ok, donc là, c'est déjà un petit peu plus level up. On est sur la banane dieu. Bah, on est chez toi, mon pote. On est chez un petit fifou d'élite. Alors, on va explorer sa map qu'il a fait en 30 minutes. Donc, il y a des tourelles. Ok, des tourelles qui tirent sur les zombies. Ok. Et donc là, c'est les tombeaux. Ah, les zombies se réveillent. Putain, c'est les morts qui se réveillent. Ah, c'est glauque quand même. Hein. Ok, donc avec des arbres tout autour. Comme si, tu vois, il s'est passé quelque chose. Genre comme un rituel et tout. Donc là, on rentre à l'intérieur. Ok, déjà, c'est fermé. Ah ouais, en fait, c'est un bâtiment qui a été détruit par les zombies. Comme un genre de sanctuaire. C'est vraiment impressionnant. En vrai, bah pareil, dites-moi une petite note sur 10 dans les commentaires de celui-là. Et après, à la fin, on verra qui est le meilleur. Alors ensuite, on a les dinos. Ah ouais, donc lui, il est parti plus sur un thème... Ok, de la préhistoire, le thème. Stylé, ok, c'est original. Donc là, quand on rentre à l'intérieur... C'est les trucs pour les jouets des gamins de 6 ans, ils jouent avec ça, dans les... Comment ça s'appelle, là? Dans les... Ah, les foires, là! Bref, dans les trucs gonflables. Et, mais j'ai pas trop compris l'histoire, là, en vrai. C'est le cube qui fait... Les cubes qui font réapparaître la préhistoire, je sais pas. En vrai, je comprends pas, là. Voilà. On a Sokka. On va aller voir Sokka. Ok, donc toujours en thème... Aïe, 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 le thème. Alors déjà, là, le dinosaure, franchement, en mode, tu rentres, tu nous casses pas la tête. The fuck, en plus, il y a de la fumée qui apparaît. Oh, il a mis le truc à fumer. Oh, le génie. Comment ça fout de la fumée partout? Ça, c'est un génie. C'est un génie, mon pote. Donc là, t'as un chevalier. Oh là là, c'est un gros patron. Non, mais il est gros. Il nous accueille, ok. Il nous accueille les bras ouverts. Ok, donc là, on a un zombie. Ok, donc là, des tombeaux. Alors, je sais pas trop si c'est un préfabriqué qu'il a modifié. J'ai pas l'impression qu'il l'ait beaucoup modifié. Hein. C'est surtout... On va pas trop s'attarder à l'intérieur. Hein. On va regarder un peu en dessous ce qu'il y a. On va plutôt regarder l'extérieur en 30 minutes, ce qu'il a pu faire. Ouais, franchement, il fallait y penser, la fumée. Ouais, franchement, dites-moi, pareil, une petite note sur 10 pour celui de Sokka. Sama. Qu'est-ce qu'il nous propose, lui? Oh! Ok, donc là, on l'allume. En mode, on fait un rituel. Pas mal, ça, c'est bien vu. Avec le cube et les bébés cubes autour. C'est pas con. Oh, il y a un monstre. Mais attends, mais il y a un monstre qui se balade. What the fuck? Et là, boum, octogone. Allez, boum, viens là, boum, le cube. Ça dégage. Ok, moi j'aime beaucoup les arbres. C'est pas les arbres des marécages. Dites-moi si je me trompe, mais... Ok, en plus, il a fait une petite tour. C'était une petite tour du monde de neige sur Fortnite. Avant, il y avait... Une zone neige pour ceux qui se souviennent, avec le château et tout. Ok, donc il a fait deux tours sur les extrémités et il a fait une capote, il a fait une... Bref, vous avez tous compris ce qu'il a fait. Oh, c'est l'épée. J'ai pas de force IRL, donc on va avoir de la force dans Fortnite. Constan RP, mon gars. Oh là là. La puissance de la team Fifou. Toi-même, tu sais.
Et là donc il y a un canon. Et là tu te propulses. Et là normalement le canon il te propulse sur le cube, c'est ça? Il est clairement blasé ce petit Blazeman, allez. J'ai lâché ma blague de merde. Alors mon petit Silesi, ça, donc c'est un monstre en plus. Ah ouais, c'est le monstre. Oh là 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 là, calmez-vous, mettez-lui 10 sur 10. Oh merde, c'est le dernier. On dit le meilleur pour la fin. Je suis clairement en train de lui donner une bonne note pour pas qu'il me mange. Alors, donc là, oh, il a créé des capsules. Comme s'il y avait genre des monstres qui sont atterris sur Terre. Ok, pas mal. Qui ont atterri dans le monde de Fortnite Battle Royale. Ok, donc bien, ouais, il a fait truc pour qu'on rentre. C'est bien fait. Il a mis des petites gargouilles. J'allais dire Gargamel dans les schtroumpfs. Pouce bleu si tu connais. Ok, donc là, on a un coffre. Ouais, déjà, tu vois, c'est un préfabriqué, mais il a rajouté des petits éléments. C'est ça que j'aime. Il a rajouté des toiles d'araignée. Enfin, des petites toiles blanches. Ouais, des petits détails avec un chandelier et tout. Une pièce. Ouh là là, j'ai faim, là. Au-delà des petites araignées. Oh là là, c'est dégueulasse. Là, c'est son petit trône. Ah ouais, ok, très bien. Le trône du monstre fifou. En plus, avec le filtre noir, ça le fait trop, en vrai. Je vais me prendre une petite flamme, là. Oh là là, le tombeau. Il l'a refait à sa façon, le tombeau. Et j'ai envie de voir le grenier, ce qu'il a fait au grenier. Ah, il a... Ah si, il a fait des petits ajouts au grenier, non? Je sais pas, parce que si tu fais comme les autres, tu vois, tu peux pas avoir la meilleure note. Mais entre tout cela, vous préférez donc celui de au passe posé, de Certi. Bon, masque, bon, c'est un petit peu du troll, ce qu'il a fait. Nadir, la banane de Dieu, Zoz, Enzo Pika, Sokasama, Blazeman ou Isaac. Vous allez me dire ça dans les commentaires, c'est parti. Voilà, on se remue en thème normal. Ouah, c'est vachement lumineux là par contre. J'espère que tu as passé un bon moment, ma compagnie. C'était tout l'objectif. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, rejoins la team Fifou.